matin, en fait, quand je suis arrivée à 8h, ils étaient en train de disquer les grilles du parc avec 20 au moins camions de police nationale. Des CRS étaient présents aussi. Un peu désabusée et impuissante depuis une semaine d'avoir pu rien faire devant la violence de la répression policière. J'ai décidé avec une copine de monter dans un arbre. Ils ont quand même disqué autour de nous, donc des gerbes d'étincelles parvenaient jusqu'à nous, au risque de nous mettre en danger. Calmez un peu des crampes aux pommes, parce que pas comme ici à Marseille. Hein. Ça tape sur le citron le soleil, hein. Faites attention, il faut mettre les crampes totales. Hein. Ce qui est aussi complètement dégoûtant, c'est de voir la presse nationale, comment elle réagit et comment elle accepte les messages des dominants, c'est-à-dire que c'est une bande de punks à chiens qui sont sur la place ou de dangereux gauchistes qui entraînent derrière eux, je ne sais pas, quelques personnes. Il faut arrêter avec ça parce que moi, ce que je vois autour, c'est des gens écœurés qui ne savent pas comment s'organiser parce qu'ils n'ont pas l'habitude, effectivement, d'avoir une invasion policière et avec des gens qui ont carte blanche pour de toute façon nous gazer, nous frapper face à des gens qui ne sont pas armés, d'un certain âge, mais déterminés à défendre leur place. Les arbres, ça a été le truc le plus visuel. Et ils nous font croire que les prochains vont être transplantés. Mais jusqu'où on va accepter d'être menés en bateau? Les forains, les pauvres, on les a divisés. Ils sont sans travail depuis 15 jours. On les a divisés pour mieux régner. Mais quelle dignité quoi, on peut avoir de se laisser marcher dessus. Parce qu'ils nous marchent dessus, mais ils nous marchent dessus au premier sens du terme. Moi, j'ai vu ma copine de plus de 60 balais qui s'est fait marcher dessus, quoi, hein, qui est tombée la tête la première, comme une copine qui s'est fait péter la clavicule parce que les flics lui marchaient dessus. C'est pas tant mon quartier, c'est comment la dynamique mortifère du pouvoir et de l'argent est en train de déferler sur nos quartiers pour empêcher qu'on se rencontre, pour empêcher les surgissements. Qu'est-ce qui est plus beau que des surgissements, bordel? Qu'est-ce qui est plus beau que des rencontres? Moi, je suis dégoûtée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir des gens se faire matraquer parce qu'ils défendent la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être des bons petits soldats, hein, des bons petits soldats du capital. Tout ce qu'ils veulent, c'est des espaces pour qu'on consomme, des espaces pour qu'on ne pense plus et qu'on se rencontre plus. Qu'est-ce qui n'est pas plus beau que la rencontre et de faire des choses ensemble? Alors, on va aller consommer, faire les moutons consommer, c'est ça. Moi, je suis dégoûtée. J'ai compté sur l'arbre là-bas et sur celui-ci. Quand on compte les cernes comme ça, on les voit tous ici. Jusque là, on arrive pratiquement à un arbre qui a 50 ans. 50 ans, en bonne santé, pas un seul défaut, pas un seul problème. On le coupe, alors qu'on avait promis déjà qu'il serait transplanté. Est-ce que vous avez un commentaire sur les arbres arrachés qui devaient être transplantés, messieurs, dames? Un commentaire? Depuis le jeudi qu'ils ont attaqué les manifestations et les travaux sur la plage Anjurès, il y a moins 50% du chiffre d'affaires en baisse. C'est dû au fait qu'il n'y a plus le marché, primo. Secondo, on n'a plus de parking. Et troisièmement, tous les gens ils vont ailleurs maintenant, au lieu de venir à la plaine. Alors, je suis pour le nettoyage de la plaine quand même, parce que ça fait 40 ans que je suis là. D'être avec les rats quotidiennement 24 heures sur 24, l'insalubrité de la plaine, l'insécurité de la plaine, et il n'y a pas assez de parcs de jeux pour les enfants. Je pensais qu'une bonne petite rénovation, un peu plus de lumière et tout ce qui s'en fait, j'aurais été pour. Mais détruire la plaine au-delà de faire une place de bobo, ça c'est pas trop mon style, quoi. Et la plaine, c'est pas son visage en fait. La plaine, c'est une antiquité, ça date depuis 1700 et des poussières. Et à l'époque, c'était un lac ici, c'était un marché de gros, un marché détaillant. Maintenant, c'est devenu un marché populaire et une place populaire. Mais malheureusement, il y a tout qui change, quoi. Alors, est-ce que la mairie, maintenant, veut éjecter tous les gens du centre-ville? Je ne sais pas quoi vous dire exactement.
Donc voilà, mais je pense que c'est le projet de la mairie, après je ne sais pas. Je suis le gérant de Camut à La Blaine depuis 7 ans. Vous avez vu là, il y a les policiers partout et ça risque de casser tout. On nous a cassé l'arbre et nous a cassé les quartiers. On travaille beaucoup avec les gens des quartiers et malheureusement, il y a de l'argent pour faire les travaux, mais il n'y a pas d'argent pour les associations, pour les jeunes qui de La Blaine. Et là, j'ai des loyers de retard et je risque de perdre mon fonds de commerce. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est le monde des riches qui vit actuellement dans le monde entier, surtout en France. Un pays comme la France, comme ça, et le capitalisme est en train de gagner le terrain. Et je trouve ça, c'est dommage. Et la richesse de La Blaine, c'est une place multiculturelle, d'origine différente. Les gens sont très sympas. C'est les quartiers latins de Marseille. Il y avait plein d'activités et tout ça. Et c'est dommage, malheureusement. C'est la loi, c'est la démocratie, c'est le fort qui gagne. Je suis impactée parce qu'il y a des messieurs avec pas très sympathiques stationnés devant mon magasin depuis une semaine. Et voilà, ils n'empêchent pas les gens de rentrer, mais les gens ne sont pas à l'aise et ne rentrent pas. Voilà. Donc là, on ne nous a pas proposé de solution, puisque a priori, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc j'ai vu une élue, il y a 2 ans de ça, qui passait en période électorale, qui m'a dit « oui, oui, on vous écrira ». J'ai posé ma question par Internet, j'ai jamais eu de réponse. Et j'ai eu la plaquette des travaux il y a une semaine, quand il y a eu les problèmes avec les gens du quartier. Sinon, j'étais absolument pas informée sur les travaux. Personne ne m'a rien dit. Ni les gens du quartier qui manifestent viennent me voir, ni les gens qui font les travaux viennent nous voir. On n'existe pas. Voilà, de temps en temps, on a des mots sur la porte, coupure d'électricité, coupure d'eau, mais bon, voilà. Au moins pour ça, on est prévenu, mais sinon, tout le reste, c'est grand flou. La rue de Rome, les commerçants qui ont demandé un dédommagement se sont dus croyer un contrôle fiscal après. C'est magnifique. Ouais. Ah bon, ben voilà. Vous aviez pensé à... Oui, je comptais le faire, mais tant pis, hein, j'aurai un contrôle fiscal, je suis claire, alors pas de souci. Mais voilà, celle-là, on ne la connaissait pas d'infos. Donc, et on est envahi par une quarantaine de camions CRS qui sont devant le magasin. Donc pour ça, ça porte du tort au commerce, on ne fait plus rien. Et si ça va durer pendant 3 ans, c'est la fermeture de tous les commerces. Oh ben, le projet, ils l'ont fait. Pour certaines personnes, ça doit les arranger pour détourner de l'argent, pour s'en mettre plein les poches. Ça nous casse les travaux, la vérité. C'est la moitié du travail, même plus la moitié. On est vraiment KO. Et après le marché, on a beaucoup baissé la recette. C'est pas bien. On fait des soucis parce qu'on pense, même si ça continue comme ça, il risque de baisser les rideaux. Hein. On s'en sort pas. On a trop de charges et des frais. Voilà. Mais... malheureusement, c'est pas comme on veut, hein. C'est comme on peut, comme on dit. Hein. Voilà. Hein.